Les radios de proximité contribuent à la promotion de la paix et jouent un rôle important dans le développement de la Côte d'Ivoire. Cependant, elles sont confrontées à de nombreuses difficultés et les agents peinent à joindre les deux bouts malgré les efforts consentis. Pour soulager ces agents et les encourager à continuer le travail, l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire leur fait tiers à initier la première édition des Oscars de la radio. Les lauréats de ce concours ont reçu leur prix au cours d'une cérémonie à la maison de la presse d'Abidjan Plateau. C'est une occasion justement pour faire en sorte que tous ceux qui se trouvent dans ces radios-là puissent montrer donc leur talent. J'en connais qui sont très bons, qui font de très bonnes productions et on va profiter donc des Oscars de la radio pour faire la promotion de ces animateurs, de ces journalistes de nos radios. Pour cette première édition, ce sont 5 animateurs qui ont reçu des lots composés d'ordinateurs, de dictaphones ainsi que des enveloppes. Komena Kwasi, animateur à Radio Arc-en-Ciel, situé dans la commune d'Abobo, a remporté le premier prix de la meilleure production avec un total de 84 points sur 100. 395 décès pour 100 000 naissances, je crois que c'est encore trop. Encore trop, il y a donc du travail à faire. C'est pour cela que moi, en tant qu'acteur de radio, j'ai décidé donc de faire cette production-là pour sensibiliser davantage. Le prix René Bourgoin de la meilleure radio, du nom du président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle de Côte d'Ivoire, a été décerné à la radio Alobé de Bingerville. Le premier responsable de l'autorité de régulation se dit honoré pour le choix porté sur sa personne. Lorsqu'il m'a été proposé de donner mon nom, de voir donner mon nom à ce prix. J'en ai été touché, j'en ai été surpris d'abord, mais en même temps, je considérais cela comme probablement une petite reconnaissance des petites actions que j'ai pu mener. Les pionniers des radios de proximité en Côte d'Ivoire ont par ailleurs reçu des distinctions au cours de cette cérémonie initiée par l'URPCI.